Yann Gabi. Salut, salut. Salut. Yas, du Super Muscle. Salut. Donc, mauvaise nouvelle, on a pu avoir hier, c'est que du coup, Gabi et moi, on a décidé de mettre. On quitte définitivement la team Alex Gabi. Pour plusieurs raisons. Donc, Gabi va expliquer sa version, et moi j'ai expliqué une version aussi. Ok. Et après, on va dire, du coup, il y aura beaucoup de changements sur ma chaîne et pas sur notre chaîne. Et on va vous dire les nouveautés aussi qu'il va y avoir malgré cet incident. Du coup, il y aura énormément de changements. Du coup, il y avait des lives prévus qui sont définitivement morts. Qu'on pourra peut-être faire. Mais que nous deux, clairement. Team, en fait, sans cadeau avec les abonnés. Ça a demandé du temps, mais voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. On a quitté cette team là parce que rien allait. Ça avait plusieurs fois, on peut dire, ça avait plusieurs fois. Ça s'est passé plusieurs fois, ces genres de problèmes en fait. Ça avait plusieurs fois et à un moment. Et à un moment on a pété un câble, après on a dit merde, on va faire la partie de la team et puis voilà. Faut être clair. Donc du coup, Gabi va expliquer un peu sa version et je vais raconter un peu la mienne aussi. Vas-y, je te laisse, moi, vas-y, commence-moi. Je te laisse. Ouais, vas-y. Bon, alors nos versions sont pas totalement différentes. Hein. On pense aussi des fois à la même chose. À propos d'Alex. Alex Gabi. H24, ça c'était hors live. Si je crois, il y a un moment où j'étais hors live sur Twitch à ce moment-là. C'est que quand il est avec son pote Yannick et que nous et que moi ou Gabi sont dans la vocale, tout le temps H24 il nous insulte pour rien. Après, ok, si c'est pour rigoler 5 minutes, d'accord, mais c'est tout le temps. C'est pour nous, à un moment, c'est stop, c'est vraiment, c'est trop. Parce que le mec hein, est sur le point de dire que quoi, comme quoi, comme je parlais pas du tout dans la vocale, mais dans mon live, parce que j'étais concentré dans ce que je faisais, il m'appelait, et à un moment, il a commencé à dire, ouais, je suis en train de draguer ta meuf. Ça m'a pas plu, et j'ai continué à rien dire, à ouvrir ma gueule. Parce que si j'allais l'ouvrir, j'allais m'énerver. Parce que ça, c'est une chose qui se dit pas en fait. Tout à fait d'accord. Après, ce qui s'est passé hier, même avant-hier, j'étais énervé en faisant plein live Twitch. À cause du jeu. La plupart du temps en fait. Après, il commençait à se foutre de ma gueule, il rigolait un peu trop. Et après, il disait que il rigolait nerveusement, mais en fait, il se foutait de ma gueule. Littéralement. Donc, il commence à péter un câble et le gueuler dessus. Après, il a commencé à gueuler pour rien. Mais. Parce qu'il gueule pour rien, mais en fait, il y a une raison que je lui engueule dessus aussi, quoi. Parce que le mec, il se fout de ma gueule, mais il a pas conscience de ce qu'il fait. Surtout, il a zéro. Surtout, il a une schneck incroyable sur le jeu où. Sur FIFA, où il jouait. C'est que le pire, je m'énervais pas sur lui. Je m'énervais sur le jeu. Contre oui. Le jeu. Après, je me suis énervé sur lui parce qu'il a commencé à péter un peu les couilles. C'est soi-disant. Attends. Et sa seule excuse, c'est qu'il riait nerveusement. Alors, à chaque fois qu'il riait, tu vas me dire qu'il rigolait nerveusement. Ça sent le mytho un peu. Ouais, alors, pour moi, ça sent le mytho. Donc, moi, mon réflexe, du coup, le live s'il a coupé, c'était normal. Donc, mon réflexe pour pas que je pète un câble contre lui, parce que sinon j'allais partir loin. Mon réflexe c'était de carrément quitter et de m'appeler. Carrément. Après, je l'ai rallumé une demi-heure plus tard. Du coup, j'ai arrêté Gabi. Ouais. Et quand lui il a rage quitte aussi, 5 minutes à la fin du temps donné par le jeu. Kylian, désolé, Gain, il insulte pas, il gueule pas, il fait rien.
Alors que, je sais pas, normalement, je sais pas, mais ça me croit. Donc ça, c'était ce qui s'est passé avant-hier. Hier, ce qui s'est passé, c'est que en allant sur un de ses lives, je sais pas pourquoi, je mettais un commentaire, et mon commentaire, en fait, il s'affichait pas dans les autres. Comme quoi, il a dû faire un truc pour pas qu'on puisse voir mes commentaires. C'était clairement masqué de la chaîne. En gros, j'ai compris qu'en fait, il était en train de me faire un coup de travers. On peut le dire, un coup de pute. Après, Gabi, il a été bloqué, je crois, ou quelque chose comme ça. J'aimerais, il m'a clairement enlevé. Après, il nous a invité en session sur Shit Online. Du coup, on l'a rejoint. Et dès qu'on l'a rejoint, il nous a supprimé de ses amis, alors qu'on a rien fait. Mais faut dire aussi qu'il a dit à tous ses potes. Il y avait même mes potes à moi qu'il a en vocal. Alors que ce n'est pas ses potes à lui. Parce que savoir, tous ses potes, tous ses 580 et quelques amis, c'est tous mes potes en fait. Avec lui, j'ai presque pas loin des 100 abonnés, des 100 amis, je voulais dire. J'ai pas loin des 100 amis avec lui. Donc, comme quoi, pour lui dire qu'il peut se vanter qu'il a tant d'amis, je sais pas quoi, c'est que mes amis. Ouais, donc là, dans tout ça, du coup, ça nous a un peu vraiment mis en colère. Donc, il n'y avait pas que ça. Après, une fois qu'il nous a invités, on l'a rejoint. Donc, comme je vous l'ai dit, il nous a supprimé de ses amis à un moment. Donc, on n'a pas compris pourquoi. Et c'est que le pire, mais je pense que vous êtes témoin. Il y a des moments où j'étais en live, ou même lui, il était en live, Alex. Où il disait, ouais. Oh Maurice, il est gâteau, il faut virer de la session, j'ai plus envie de jouer avec lui. C'est pareil avec Léo. Ouais. Et ce con, il les a invités en vocal. Et même carrément dans le jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous a. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il leur parle pas du tout, il les insulte de pute, de chouin, de salope et tout ce que vous voulez. Et là, il était en vocal avec eux. Ouais. Alors qu'il a dit, ouais, je leur parle plus tout ça. J'ai plus envie de jouer avec eux et tout ça. Surtout Maurice, il disait, ouais, il est casse-cou dans les face-to-face ou quelque chose comme ça. Mais là, Léo, hier. Léo, il l'énervait parce que ma connexion a craché à cause de lui. Mais je pense que là, maintenant, il doit plus t'énerver contre lui. Non, clairement pas. De toute façon, il jouerait pas avec lui. Donc, du coup, après ça, quand il nous a enlevé de sa liste d'amis, on a mal craché. Parce que le mec, du coup, parce qu'en fait, on a compris qu'en fait, il a fait un coup de travers et du coup, on a voulu absolument se venger. Hein, j'étais en live Twitch. Je pense que je pourrais peut-être mettre le lien en description, soit sur le prochain live que je ferai. Le lien de mon live Twitch, qui a duré, je crois, une demi-heure, 30 minutes. Ouais, n'importe. Et du coup, après, on les a tous rage quit. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'Alex, du coup, il nous a supprimé de partout, dans tous les réseaux. Mais on s'est dit tant mieux, parce qu'en fait, il nous a fait un coup de travers. Après, il vient faire le suspoule pour s'excuser et tout ça, mais après, regarde comment il nous remercie derrière, quoi. Ouais, surtout, quand il est pas bien, à des moments, on le soutient. Ouais, ça c'est en off, non, sans live, sans rien que ce soit. Nous, on en a fait sur Insta. Il nous dit, ouais, je me sens pas bien, je sais pas, voilà. Oui, il est encore en mode dépression. Ouais. À plusieurs reprises, c'est pas la première fois, il le fait H24 quasiment. Tous les jours, en fait. Tout le temps. Dès qu'il y a un petit truc qui lui choque les membres, ça y est, il est en dépression. Avec lui, on peut pas parler, en fait. Pour lui, ouais, en fait, voilà. Si vous préférez, pour nous, c'est... Nos chaînes, à moi y'a Kylian, c'est de la merde, y'a que sa chaîne qui veut en fait. En fait, si gros pour lui, c'est que sa chaîne à lui. En fait, ouais. J'ai l'impression qu'il s'en branle des autres. Bah oui. Parce que il pense qu'à sa gueule en ce moment, et nous en fait, on est vraiment à part. Parce que déjà depuis quelques jours, il nous invite même plus en partie de Jet Online, il nous laisse tous les deux à part. Et il invite beaucoup. C'est que le pire, il invite la plus grande majorité, c'est les potes à Gabi qui l'invite. Ouais. Et ses abonnés. Mais sauf que ses abonnés, il y a aussi des abonnés à moi. Ah oui. Donc un peu, clairement, ils se font un peu de notre gueule puisqu'ils nous volent des potes et des abonnés à nous. Qu'après, ils disent des choses mal sur nous. Alors qu'il y a des choses fausses. Totalement fausses.
Et après, allons voir s'il va faire une vidéo sur nous ou s'il ah, va rien faire. J'en ai rien à foutre qu'il fasse une vidéo sur nous, moi. Et ça, je dis, là, on dit clair sur ce qu'on pense et c'est. Oui, oui. Après, il y a certains moments où il était sympa, mais à la fin, il nous a tapé. Non, là, il est allé trop loin, il est devenu trop fast. Si vous voulez savoir, c'est que nous on est sympa tout le temps. On est sympa. Et après. C'est que le pire, on lui a donné des conseils quand il était en embrouille avec Black Gamer, Antoine et tout ça. Ah oui. On lui a dit des conseils pour qu'il aille mieux et qu'il ait plus de problèmes. Il nous écoute, mais il nous remercie pas en fait. Ouais. Il nous remercie pas, il nous laisse comme des lâches. Mais il la reparle. Ouais, il nous laisse tomber comme des lâches. Donc à un moment qu'il arrête de faire des conneries comme ça, parce que là de toute façon c'est mort, c'est trop tard. Là il a gâché deux amitiés pour rien. En même temps c'est de sa faute, vous allez me dire. Bah, mais voilà. Bon. Mais il avait pas qu'à faire ça. Hier on a foutu la merde dans la liste qu'on a faite. Car il nous cassait vraiment les couilles. Si vous voulez, au début, il a. Comment ça s'appelle? Il a enlevé Kylian. Kylian, il l'a pas invité, il a rien fait. Parce que je pense qu'il a envoyé que Kylian. Moi, il m'a dit. Moi, j'ai demandé qu'il m'invite. Il m'a invité, pas de soucis. Dès que j'ai rejoint la session, j'ai invité Kylian par Joko. Il l'a invité, tac tac. Et on comme par hasard, c'était quoi? C'était un face-to-face dans un tunnel où il y a le train. Donc, nous, bâtards comme on est, on kiffe ça. Et du coup on a décidé de foutre la merde, on a ils ont racheté quand même pas. Ils en ont pas racheté en 5 secondes quoi. En 2 secondes. En 2 secondes. Ouais. Ah mais de toute façon en même temps on était en live hein, mais j'étais en même temps sur le live d'Alex hein. Ouais, ça a bien ragé. Bah toi et moi. Ça a bien ragé derrière. Même sur l'affrontement motorisé avec la neige là. Ah mais ça quelle horreur. Ah il est horrible. Ah mais ça a arraché quand même quand j'ai gagné. Ah bah oui. Alex. Bah ça, tu sais c'est dans cet affrontement, c'était dans cette activité là où il nous a supprimé ses amis. Alors qu'on avait rien. Ouais. On était juste là pour participer au machin. Il nous a clairement. Il nous a carrément baisé la gueule. Ouais exactement. En fait il nous a profité quoi. Donc là on a vraiment été trop sympa et on regrette vraiment. Et comme on sait Il va peut-être regarder la vidéo. Il va peut-être regarder la vidéo. Et ben voilà. Si il regarde la vidéo, et ben. Non, mais s'il regarde la vidéo, c'est pas grave, au moins il comprendra pourquoi. J'espère, mais je pense qu'après il va dire tout le contraire de ce qu'on a dit. Ah, bah, pas oui. Mais déjà de une, on est 2 contre 1. Non, mais c'est pas ça, c'est que le pire, c'est que j'ai des preuves en live. Ah, bah oui. Ça aussi. Il y a juste à faire les redis, c'est bon. Bah, faire les redis, fallait voir. Aller regarder les rediffusions, c'est bon. Oui. Après, je crois que c'est à moi de les mettre en ligne, les diffusions sur Twitch. À moins qu'elles soient jamais. C'est vrai que je regarde. Tu peux les mettre sur YouTube, ouais. Sur YouTube, oui, mais je préfère aussi les laisser sur Twitch. Mais je crois que je vais en mettre quelques-unes sur YouTube. Si j'y arrive. Voilà, donc là c'est ça, c'était l'histoire qui s'est passée. Maintenant, ouais, du coup, on va vous expliquer les changements qu'il va avoir et les nouveautés. Donc, les changements que vous préférez pour ma chaîne perso, c'est clair, plus de 2 avec Alex. On n'acceptera que les abonnés qui sont sérieux, pas casse-couilles, qui insultent pas, qui cherchent pas les emmerdes, ça c'est clair. Ils ont au-delà des 14-15 ans. On va recréer une team à nous deux. Qui gueule pas. Vous appelez qui gueule pas surtout. Genre ce qu'on va faire, on va pas créer de crew comme Alex avait fait. Ce qu'on va faire c'est que nous on va carrément je pense créer une communauté. Ouais une communauté comme ça c'est pas. Et ouais. On ajoutera du coup. Mais ça sera beaucoup plus rapide. On ajoutera les volontaires et bla comme ça. Bien sûr, vous devez. Bien sûr, si vous voulez jouer avec nous, vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. Alors qu'avec Alex, en fait. Il y aura des listes aussi qui pourraient arriver. Parce que du coup. Ouais, il y aura des listes aussi. Il y aura, donc pour la communauté, pour le moment, elle n'est pas créée.
on la créera un peu plus tard dès qu'on aura un peu. Ouais. Déjà, dès que j'aurai dépassé 200 abonnés et que j'aurai des abonnés en ami qui veulent bien rejoindre la communauté, bah, c'est pas bienvenu. Du coup, dans la communauté, cette communauté là sera créée du coup pour les RP, tout ce qui est RP, rassemblement, c'est une liste d'activités. Ouais, pour toi en fait, presque. Voilà, des choses comme ça. Bien sûr, pour qu'on mélange pas les. Même en vidéo si j'arrive, si ça m'arrive dans le. Ouais. De toute façon, si vous voulez, c'est sur une nouvelle vidéo et qui dit tout ce qui est faux, bien sûr. De toute façon, on regarde sa chaîne toujours. On s'est désabonné, oui. on s'est désabonné, voilà. Mais on la surveille quand même au cas où si. Là, ah on l'a un peu parlé dans le dos, mais en même temps, c'est une explication aussi pourquoi on a quitté la team et tout ça et pourquoi il y aurait des choses comme ça. Donc, un peu normal qu'on parle de lui. Mais le pire, c'est que déjà, il y a une histoire qui arrivait entre moi et Alex, qui était totalement, certes, ça m'a je parlais vulgairement, mais ça m'a fané les couilles. Faut le dire, ça m'a clairement fané les couilles. Il faisait que chercher les emmerdes, que ça. Black Gamer lui retournait le cerveau contre tous ses potes, donc y compris moi, Kylian et plein d'autres. Et ça, franchement, ça c'est bon, ça. Moi je l'ai enlevé. T'étais blasé. Ah, moi, genre, je l'ai dit stop. Genre, j'ai bloqué mes amis. Mais il y a eu de la chance qu'il y avait Kylian qui m'a dit débloque plus de ses amis et tout. Hein. Il y a vraiment de la chance. Ouais, mais là, on peut dire qu'il est parti un peu loin. Sur les derniers jours. Parce que je peux vous promettre que vraiment, il y a eu de la chance. En plus, on lui parlait. On lui parlait gentiment, tu sais. On n'est pas du genre. Mais à chaque fois, il nous en prenait plein la gueule. On s'en prenait plein la gueule pour rien. Alors qu'en fait, on avait raison dès le départ. C'était pas un bon pote pour lui. On a tout dit, on a été clair sur tout ça. On lui a dit que c'était pas un bon ami, ni tout ça, parce que voilà. Aye. Mais comme il nous a pas écouté, bah voilà, c'est parti pour encore un sans couille Et pour dire que mais c'est. Mais après qu'il retourne pas la faute sur nous, après il a d'autres problèmes. Je te dis direct. On va pas l'aider ou quoi que ce soit. Ouais, parce que. On est sympa, mais à la fin. Voilà. Ouais. Ouais, faut arrêter de parler de lui, on va. C'est ça, il y a un s'occuper maintenant du coup des changements qu'il va y avoir. Ouais. Les changements, comme on a dit, on va se recréer une team à nous deux avec les abonnés. Ouais. Je le redis. Qui va être consacré au RP, au rassemblement, aux listes et plein de choses. Listes d'activités. Bien sûr, les listes d'activités sont pas. Donc ça sera changement. Et en plus une nouveauté, parce que on était dans la team d'Alex il y a un certain temps, mais là c'est fini. Ouais. Et surtout qu'on veut des gens, des personnes sérieuses, matures, oui, qui sont surtout pas cassants de couilles. Qui gueulent pas, c'est important. Ils ont plus de 13, 14, 15 ans. À partir de cet âge-là, à l'âge important. Ouais. Comme ça, après, voilà. On recherche des gens comme ça, des abonnés. Ouais. Cool. Ouais, si vous voulez jouer avec nous, bien sûr, c'est au 0771. Je rigole. Hein. Après, comme on fait plus de live que de vidéos, comme dans les lives après. Vous pouvez nous rejoindre les lives, quand vous voulez. Ça un peu sur le jeu et aussi sur les recrutements. Parce qu'on recrute en même temps. Vous donnez votre photo au PSN et on vous ajoute et après. Vous dites si vous voulez rejoindre la communauté, juste comme ça. Il faudrait qu'on la crée. La communauté elle sera créée qu'à partir de mes 200 abonnés. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Bon, il me reste beaucoup d'abonnés. Hein. Quand je puisse l'ouvrir, il me reste au moins 10, je crois, une petite dizaine. Et après, c'est bon. Et bien sûr, la communauté sera en fermée, bien sûr. Comme ça, c'est pas que n'importe qui rejoigne la communauté. Voilà. Donc, elle sera en privé. Et si vous
que ce recrutement. Pour les inviter. Il faudrait déjà qu'ils soient abonnés à nos chaînes. Qui active la cloche. C'est, quand je dis chaîne, c'est chaîne YouTube et Twitch. Donc, parce que des fois, nous, on peut soit être sur YouTube ou sur Twitch. Ça dépend. Mais on alterne des fois les plateformes. Donc, ouais. Bientôt, à partir. Bah, moi, en tout cas, à partir de mardi prochain. Ou de lundi. De lundi soir. Je serai encore beaucoup plus dispo qu'actuellement, parce qu'actuellement je serai pas beaucoup dispo, c'est-à-dire aujourd'hui. J'étais pas dispo toute la journée, demain pareil, et lundi. Lundi je serai. Ouais. Je peux être dispo que le matin, donc le matin je dors. Donc l'après-midi, je serai pas dispo, mais le soir je serai dispo pour peut-être faire un live sur un jour, je sais pas lequel. Après la vidéo, je pense qu'elle sera postée ce soir. Et du coup voilà, donc c'était, donc là on vous a parlé un peu du changement et surtout des nouveautés. Il y aura un autre changement aussi, c'est pour mon live des 200 abonnés qu'on devait faire avec Alex et la team. Du coup ça va changer, donc ça se trouve ça sera plus, ça sera pas une liste d'activités sur GTA, ça va changer peut-être. Je pense que ça sera live 200 abonnés, ouverture du code de la communauté, recrutement en même temps. Et dès que j'aurai mes 250 abonnés, je pense que je vais aller sur des lives petits youtubeurs, je vais aller raid des gens. Dès que j'aurai les 250, entre les 250 et 300. Ça c'est les nouveautés. Je parle. Et du coup, pour live des 200 abonnés, on sera tous les deux. Bien sûr, ce qu'on vous a pas dit encore, après, c'est pour le live des 250 abonnés, on vous invitera en vocal bien sûr. Quelques-uns mais pas tout le monde, parce que c'est trop bordel, on va mettre la vocale maximum à 6-7 personnes. Ouais, pas plus. Maximum, parce qu'après plus. C'est trop. Parce qu'après ça sera trop bordel. Ou à 8 s'il y en a un qui a pas de micro. Oh donc, ouais. Voilà. Mais déjà 6-7 c'est déjà bon. Donc après c'est pas dit parce que ça sera peut-être pas sur GTA. On va peut-être changer de jeu. On sera peut-être sur The Crew, on pourra inviter que deux abonnés à la fois. Peut-être qu'on ouais. changera un peu les abonnés aussi. Ouais. On joue avec des abonnés pendant une demi-heure max, grand max. Et on invite d'autres. Mais ça, vous pouvez être fille, garçon, Il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas de préférence. Vous pouvez venir. Tout le monde peut venir, ça c'est sûr. Ah oui, tout le monde. Le temps que vous avez une paix, le temps que vous avez un micro. Le minimum de l'âge. Ouais. Après, si vous avez en dessous de 13 ans, vous êtes mature, vous gueulez pas. Ça dépendra. Comme Autobot, peut-être il parle un peu trop, mais franchement, il est pas de ce point. Non. Certains Autobot, je crois qu'on lui dise aussi. Ah oui, il y a Autobot. Ah oui, il faut qu'on arrête Autobot tout à l'heure. J'ai continué la vidéo. Ah ouais, comme ça. Il n'est pas prévu de ce qui s'est passé. Ah non, ouais. Donc voilà, donc c'était les changements et les nouveautés. Donc du coup, maintenant, vue d'Alex dans le live, terminé. Et donc du coup, maintenant, du coup, voilà, on va clôturer là-dessus pour la vidéo. On a dit ce qu'on avait à dire, l'histoire, les nouveautés, les changements. Donc du coup, ça a totalement les lives et les vidéos et les tout chaînes, en fait. Du coup, on a dû vraiment tout modifier, tout changer plein de trucs. Bon, maintenant c'est fait, maintenant on va pouvoir faire notre bise de notre côté, sans Alex. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Et d'être plus tranquille, faire un autre. Ouais, à notre façon, comme ça, on aura. Il n'y aura pas quelqu'un à dire ouais, on a besoin de faire une vidéo, gna gna gna. De toute façon, pour faire les vidéos, moi et Kéan, on se sera peut-être d'accord pour le jour. Comme ça, soit c'est lui le premier, soit c'est moi le deuxième, soit inversement, et puis voilà. Après, ça restera à voir. Bien sûr, moi j'ai une vidéo de prévu, je vous conseille au maximum. Donc, du coup, beaucoup de. Maintenant, je pense.
il y aura bien, il y aura un peu plus de vidéos que d'habitude, parce que vous savez très bien que H24 c'est que des lives. Ouais. Et c'est vrai que de faire que des lives, c'est un peu chiant de faire des vidéos aussi. Surtout que ça les fatigue. Je suis pas au moment du montage, mais au moins je fais un effort. Ouais. De toute façon, tu verras sur Charfactory, c'est facile pour commencer. Oui, sur Charfactory, ça va, j'ai pas trop de mal. J'ai eu du mal pour la première vidéo que j'ai faite, mais après, ouais, ça allait. Donc là, j'en ai pas trop de mal. Sur ce, voilà, c'était notre petite vidéo de, d'information et de prévention. Ouais. Et les explications pourquoi on a quitté la team d'Alex. Du coup, on va vous laisser là. Du coup, je pense que la vidéo, elle aura duré plus d'une demi-heure. Ouais. Bref, sur ce, portez-vous bien et on vous dit au prochain live ou à une prochaine vidéo. Salut. Salut.